Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà je voudrais remercier Léa qui me suit depuis 2012, et oui ça fait 6 ans que j'arrive à fidéliser une personne, c'est pas une simple abonnée, c'est quelqu'un qui existe vraiment, que j'ai déjà rencontré en Ardèche. Donc déjà merci beaucoup à Léa, vraiment ça fait super plaisir. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à passer par mon lien en cliquant en bas de la vidéo et bénéficier de 5% de réduction. Aujourd'hui, Chapka est l'assurance la plus complète. Si vous partez en PVT avec le visa vacances-travail, vous allez être couvert sur place en Australie, 90 jours en tant que touriste et bien sûr 30 jours pendant votre retour en France. Ça fait 6 ans que je conseille les backpackers qui partent en Australie. Moi-même, je suis parti 2 ans, une année en 2012, une année en 2016, donc un second visa. J'ai fait 19 mois, plus de 65 000 km en Australie. Ça fait 6 ans que je consacre cette activité. Vous l'avez compris, je suis spécialisé sur l'Australie. Je pense être totalement réaliste par rapport à ce que je vais dire dans ma vidéo. Bien sûr, ça va être subjectif, même si je suis au contact avec des centaines de backpackers qui sont sur le terrain actuellement. J'ai aidé plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, si vous comptez partir avec le PVT, je vous invite à passer par mon pack gratuit que j'ai lancé maintenant il y a quelques mois. Plusieurs centaines de personnes en ont bénéficié. C'est totalement gratuit, c'est juste en bas de la vidéo. Si vous partez en Australie, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce qu'on se pose beaucoup de questions. Alors, il y a de plus en plus de Français qui partent, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de gens qui galèrent sur les groupes Facebook et on se dit, mais finalement, est-ce que ça a vraiment un sens de partir en Australie? Est-ce qu'il y a encore vraiment du travail? Est-ce qu'il y a encore vraiment des opportunités? C'est pas totalement bouché et ça sert à rien parce qu'en fait, on ne trouvera pas de travail. Alors, je vais être totalement direct avec vous. Je pense avoir une vision globale de ce qui se passe sur le terrain. Entre parenthèses, j'ai reçu hier un appel d'une journaliste de TF1 qui va faire un documentaire sur justement la difficulté de trouver du travail. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, mais Damien, est-ce qu'on peut vraiment trouver du travail? Pour trouver du travail en Australie, c'est quelque chose de pas facile. Il faut se laisser du temps, bien sûr. Lorsque vous allez arriver en Australie, je le dis souvent, la meilleure stratégie, c'est d'arriver en ville, de chercher, d'acheter un véhicule, donc un van, un 4x4 ou un break, et d'aller en ferme. Pour moi, ça, c'est la stratégie la plus solide. Non seulement vous allez valider vos jours de ferme, donc je vous rappelle qu'il faut faire 88 jours de free picking d'après le formulaire 1263, si vous voulez donc avoir un second visa, il y a de plus en plus de contrôles. Évitez de prendre des risques, vous risquez d'être banni. Si vous parlez bien anglais et que vous souhaitez travailler en ville, bien sûr, ça peut se faire. Il y a du travail dans toutes les villes, plus ou moins des périodes intéressantes. Par exemple, la partie Australie du Sud, Victoria et New South Wales, je vous conseille de bosser plutôt entre octobre et mars. Ça va être la bonne période, il fera bon. À Cairns, hors saison des pluies, entre avril et novembre, donc voilà. Et Brisbane, vous allez pouvoir travailler toute l'année car en fait, il fait beau toute l'année. Voilà pour résumer. Si vous êtes motivé, si tu vas rien lâcher, je peux te garantir à 500% et je m'engage vraiment à vous le dire droit dans les yeux, vraiment, je vous le dis vraiment droit dans les yeux, vous allez trouver du travail, je peux vous le garantir. En 2017, j'étais au bord du gouffre, je cherchais encore du travail, fin 2016 précisément, et j'y croyais plus. Mais je me suis toujours rappelé un truc, c'est que finalement c'est mental et qu'il y a des moments où en fait tu as envie de lâcher parce que tu as déposé, parce que tu as fait la tournée des fers, t'en peux plus, tu cherches et tu dis mais est-ce qu'il y a vraiment du travail, est-ce que ça a vraiment un sens alors que ça fait un mois que je cherche. Honnêtement, si vous ne trouvez pas du travail au bout d'un mois, c'est que vous cherchez mal. Vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Je vous rappelle que pour les fermes, il faut être au bon endroit et au bon moment. Si tu cherches un travail en ville, mais pose-toi la question. D'ailleurs, j'appelle beaucoup de gens gratuitement pour leur expliquer concrètement que si vous cherchez du travail en ville, il faut avoir un bon anglais. Donc si vous n'avez pas un bon anglais, pose-toi la bonne question. Il faudrait peut-être que tu prennes des cours de langue. Donc là, je t'invite vraiment, si tu souhaites prendre des cours de langue, je t'invite à contacter la société Study Destination qui est située à Melbourne et qui propose des cours d'anglais partout en Australie. Et ça, c'est fondamental parce que le problème, c'est que tu mets la charrue avant les bœufs. Tu veux chercher du travail en Australie, mais tu ne parles pas anglais. Mais si tu ne parles pas anglais, tu n'auras pas de travail. C'est ça le problème. C'est ça qui va se poser aujourd'hui. Après, avec la motivation, bien sûr, ça va payer. Il faut se laisser entre une semaine et trois semaines avant que ça paye. C'est pas facile parce qu'il y a forcément de la concurrence et t'es pas seul à partir, il y a beaucoup de monde. Vous êtes très nombreux à vouloir travailler en ferme, vous êtes très nombreux à vouloir travailler en ville. La concurrence, elle est là, elle est réaliste. Si tu souhaites travailler en ville, il y a aussi les Anglais, il y a les Américains, il y a les Irlandais, eux, ils sont parfaitement bilingues, il y a les Allemands. Et toi, en tant que Français, tu seras toujours en dessous. L'avouer, en anglais, on est très mauvais. Par exemple, moi, j'ai un bac plus 5, ingénieur informatique. Je me suis rendu compte qu'en arrivant en Australie en 2012, j'ai pris une grosse claque. Je pensais être bon en anglais et finalement, je galérais à trouver du travail en ville. Et je me trouvais vraiment mauvais parce que j'avais du mal à communiquer. En Australie, le plus important, c'est la communication, bien sûr, parce que tu vas devoir parler anglais. Et surtout, la confiance que tu vas pouvoir apporter à l'employeur.
Je le rappelle souvent, en Australie, le plus important, c'est le réseau. Sans le réseau, vous n'allez rien trouver. Alors, c'est pour ça que j'ai lancé mon groupe Les Jobs en Australie il y a maintenant un an. Vous êtes quasiment 17 000 personnes sur mon groupe Facebook. Et en échangeant des plans, voilà, vous lâchez un plan. Et en fait, vous savez que le plan est libre et donc du coup, vous le prenez. La meilleure arme, je le répète souvent, c'est vraiment savoir que le plan va être lâché et vous êtes au courant et vous contactez directement l'employeur parce qu'on sait que Damien Delmar a lâché son poste. Donc ça marche comme ça, c'est essentiellement au réseau. Donc si tu cherches dans ton coin et que tu n'es pas sociable, tu vas beaucoup plus galérer qu'un mec qui est sociable, je peux te le garantir. Tout est une histoire de réseau. Donc trouver du travail en Australie, pour résumer, c'est quelque chose de pas facile, mais au bout de 3 semaines, tu vas forcément trouver quelque chose. Si tu trouves rien, pose-toi la bonne question. Soit tu n'as pas la bonne stratégie, donc je te conseille de regarder bien mes vidéos attentivement pour vraiment te former, savoir ce qu'il faut faire. Soit tu n'as pas de chance, mais la chance finit toujours par payer. Et il y a un truc aussi qui est important, n'hésite pas à aller au culot. Vraiment, il faut y aller au culot. Tu vois un bar, un resto, tu rentres totalement par hasard, tu tentes ta chance, ça passe ou ça casse. Voilà, si tu as tout compris, ne lâche rien, c'est mental et ça va forcément payer. Voilà, n'hésite pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis!